Oh, Merry Christmas! Bonjour, longue vie et prospérité. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage de Noël. Et oui, le premier de Noël. On est début décembre, donc bientôt Noël. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va commencer aussi un nouveau style de vidéo. Voilà, aujourd'hui, je me suis déjà fait le teint et les sourcils. Comme ça, on attaque directement sur les yeux. Allez, c'est Alors, parti. je commence par appliquer ma base à paupières. Hop. Oups. Voilà. Sur toute la paupière et dessous aussi. Hop. Et j'étale au doigt. Hop, je vais venir utiliser un fard NYX dans la couleur argent sur la pliure. Voilà. Hop. Que je vais venir donc appliquer. Et Et il ne faut sur pas du l'œil. tout se fier à la couleur du pot. Regardez, voilà. C'est de l'argent. Pur, pratiquement. Une belle couleur argentée. Et on vient en mettre aussi avec un petit pinceau sous l'œil. Hop, une fois que le gris est appliqué, on vient appliquer un fard blanc sur la paupière immobile. Je sais plus comment ça s'appelle. Hop, maintenant que nous avons fait ça, en fait, ça va être la base de notre maquillage. Maintenant, nous allons pouvoir venir faire ce que j'ai prévu, c'est-à-dire d'abord qu'on va mettre de la, oups, pardon, on va venir mettre de la colle à paillettes. Hop, la lid cosmétique. Sur, on va commencer par toute la paupière mobile. On attend que ça sèche un peu et nous allons venir appliquer des paillettes argentées sur toute cette zone. En tapotant toujours pour pas avoir de chute. Hop, on va remettre un peu de colle pour monter un peu plus haut. Avoir des paillettes qui remontent dans le creux de l'œil en fait. On va également en mettre sous l'œil. Alors là, on ressemble à quelque chose de bizarre. Et puis vous voyez qu'on a des paillettes partout. Alors vous prenez un gros pinceau, comme ceci, ou même les petits pinceaux comme ça, éventail. Et hop, on vient frotter pour les grosses paillettes. Et si il en reste, on fait avec un scotch. Qu'on vient tapoter comme ça. Hop, une fois qu'on a fini avec les paillettes argentées, on revient prendre de la colle qu'on met tout au-dessus. Hop. Pour venir prendre des paillettes blanches pour le coup. Alors ces petites paillettes blanches sont beaucoup plus fines. Et juste sublimes. Elles brillent. Vous savez comment ça s'appelle Noël? C'est très rigolo. Hop, on fait Alors, l'autre on pourrait œil. très bien s'arrêter là, mettre mascara et puis passer à la suite. Mais moi, pour aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite. D'encore exagérer, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes. Il n'y a jamais assez de paillettes. Hein. Comme dit Lid Cosmétique, pas de paillettes, pas de gloire. Alors, on va revenir prendre de la colle et en fait, hop, faire des petits traits comme ça. Et on reprend nos grosses paillettes argentées qu'on va venir du coup appliquer là où on a mis de la colle. Et il n'y a que là qu'elles vont tenir. Manière d'avoir quelque chose un peu genre chou. Un peu de serpent, une petite forme de serpentin. Hop. On reprend de la colle. On en met là aussi. Vous faites des formes en fait. Hop. Là, il y a un trou, alors on va venir, hop, comme ça.
Et voilà, allez, je fais pareil de l'autre Hop. côté. Allez, on va venir maintenant prendre un mascara. Et puis cette étape, vous la connaissez, donc je reviens une fois que j'ai tout appliqué. Hop, ensuite on vient prendre un petit blush rose. Pour donner un peu de couleur quand même, hein, pour pas avoir l'air tout argenté. Et là, on va passer aux lèvres. Alors là, pareil, c'est très particulier parce que ça va être très raccord. On va commencer avec les par yeux. Appliquer un gloss, enfin non, pas un gloss, mais un truc à peau, à lèvres. Et ensuite, on va venir appliquer, oui, aussi un gloss. Vous allez voir pourquoi. Puis nous revenons prendre nos grosses paillettes argentées et on les applique sur les lèvres. Et donc voilà, le maquillage pour aujourd'hui est terminé. C'est très pailleté, très argenté. Alors voilà, si par exemple pour le nouvel an, parce que peut-être pour Noël ça fait trop, mais par exemple voilà, vous avez un nouvel an avec un thème argenté, et ben vous pouvez faire ça. Ou alors un thème paillette, et ben vous pouvez faire ça. Si c'est le thème doré, vous pouvez faire la même chose avec du doré. Allez, je vous remonte de près ce que ça donne pour les yeux. Hop, les petites machins. Des grosses paillettes argentées, des paillettes blanches, les lèvres. Alors c'est pas forcément conseillé pour manger ça, hein, et je ne promets pas la tenue. Voilà, quand j'ai déjà fait ce maquillage, c'était pour faire une photo. Donc le temps d'une photo, ça te passe très bien. Mais pour manger, je suis pas sûre, et puis ça doit pas être très bon les petites paillettes. Donc voilà. Mais bon, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Et restez connectés pour les prochains maquillages de Noël. Wouh! Et que, allez, je vous souhaite une bonne journée et que la force soit avec vous.